77 enfants soldats de Daesh seraient revenus en France et l'enfant constituant la principale cible de la stratégie de recrutement des djihadistes. Près de 2000 enfants de 9 à 15 ans ont été recrutés et formés par eux en Irak et en Syrie, selon l'ONG américaine Centre Soufan. 77 d'entre eux seraient à présent retournés en France. 77 enfants seraient rentrés en France de la zone irako-syrienne occupée par Daesh asterisque, a indiqué dans les pages du Monde la sociologue Asna Hussein. S'appuyant sur les chiffres de l'ONG américaine Centre Soufan, la spécialiste annonce qu'environ 2000 enfants âgés entre 9 et 15 ans ont été recrutés et formés par les radicaux en Irak et en Syrie. 460 mineurs français feraient partie de ce grand groupe, ce qui place la France en tête des pays concernés. Cette information se base sur les chiffres fournis par le Soufan Center, un organisme à but non lucratif fondé par un ancien membre du FBI spécialisé dans le contre-terrorisme. Les deux tiers sont partis avec leurs parents, le tiers est composé d'enfants nés sur place, qui ont donc moins de 4 ans, précise la sociologue en se basant sur des déclarations des autorités françaises. Les enfants constituent la principale cible de la stratégie de recrutement de Daesh asterisque, souligne la spécialiste. Les garçons et les filles sont largement utilisés dans la propagande médiatique du groupe terroriste, note-t-elle. L'idéologie djihadiste accorde une importance particulière à l'éducation des enfants afin de les initier au combat, lit-on dans la tribune. Asterisque organisation terroriste interdite en Russie.